Écoute-moi Donny, je ne suis pas la nouvelle rappeuse à la mode qui, juste après avoir percé, va vendre de la soupe. Je ne suis qu'un simple auditeur en manque de prod qui vient chercher un beatmaker caché dans la foule. Foulé, le sol de la scène, ça je ne connais pas. En fait moi j'ai jamais rappé en public, tu vois. Allez Donny, laisse-moi venir faire un test chez toi, inonder le monde avec ma rime aquatique. Ça fait un beau moment pour moi que ton bateau s'est échoué, que les cales se sont ouvertes et toutes les fines plumes ont volé. Peut-être rapidement j'exécute le tour des nouveaux recrutés, mais bon si je m'inscris à ton truc c'est quand même un peu pour clasher. Préviens donc toute ton équipe que le niveau de l'eau va monter, que les familles se compriment et que l'on envoie les gilets. Tu pensais avoir de l'inspi et que la rime tu dominais. C'est dur de garder ses esprits quand on commence à se noyer. Je navigue sur le net avec mes images aquatiques et toutes les erreurs du système étaient pour moi systématiques. Alors j'ai noyé mon format qui est devenu de la musique, et puis je me suis fait plagier et le RC est devenu. Dans tes battles de rap aussi souvent je vois la même logique des MC accusateurs à la même rime automatique. Si tu parles musicalement mais que ta plume n'est point prolifique, mec ton stylo va couler, je t'ai déjà dit le kung fu que je pratique. Peut-être que chez toi je ne ferai qu'un passage, et qu'en un jour seulement du rap j'aurai passé l'âge. C'est logiquement sous l'eau que j'ai trouvé mon ramage, qui peut-être pour un temps chez toi fera un carnage. C'est sûr que je ne peux dire avoir fréquenté vos parages, ni non plus venir prétendre mettre le rap à ma page. Je ne fais pas les choses pareilles, bien différentes sont mes images. Odonis, tu venir la douce odeur de l'orage, car le goût des hommes pour les ceintures m'a cassé les couilles. Moi je ne veux pas venir faire le dur mais simplement en découdre. Ça fait longtemps que la crise dure et je ne vais la résoudre. Moi je veux juste venir sur scène et faire claquer la foudre. Tu comprendras bien que je ne suis pas fan de la poudre, ni des MC copieurs en manque de grain à moudre. Ce n'est pas de ta mère mais de toi dont je vais me foutre. Certains stopperont leur carrière, iront se refaire à Lourdes. Un auditeur déçu, un youtubeur naufragé, un moniteur perdu qui cherche du monde à baptiser. Une simple plume de plus dans ton programme à planifier. Moi je n'ai pas de disque à vendre mais juste un site à partager. Désolé de ne pas être venu plus tôt mais j'étais parti pêcher le truc pour parler au micro de manière organisée. Car mon truc à moi au fond tu sais gros c'est la plongée, et quand t'es posé au fond eh ben tu peux pas causer. Pas un vrai rappeur mais plus un poète comique qui aime rappeler que l'état des rivières est critique, qui voudrait revenir en arrière pour comprendre enfin la logique. Depuis quand les vannes pédos rendent la foule hystérique, le rap est plus pour moi comme une gestuelle incontrôlable. Et c'est dans un océan de merde ma plume se montre le plus remarquable. À la vanne de mer pour sûr je serai imbattable, le jeune poulain qui va renvoyer tous tes bourrins à l'étable. Je ne suis pas enchanté à l'idée d'être reconnaissable, alors je viendrai peut-être avec une cargoule morte sur la tête pour rendre par le verre l'adversaire méconnaissable. J'aurai peut-être besoin d'un ou deux trois verres de charrette, mais c'est pas grave, c'est deux verres tu sais je peux me les payer. Même le soir où je viens moi je m'en fous, je paye l'entrée. Je suis bien curieux de voir qui en chemin je vais pouvoir rencontrer. Allez Donny mon copain, sois pas con, fais sonner. Yo.